La nature semble arracher le droit à l'agriculture à certaines populations de la terre. Le sol est complètement dégradé de façon à rendre difficile la vie et le développement des plantes et des hommes de ces parties de la carte géographique. Mais la science rend justice à travers l'effort et l'innovation des chercheurs. Ceux-ci nous viennent de l'Université de Parakou, faculté d'agronomie au Bénin. Grâce au projet INOWAM, porté par 4 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et bien entendu le Bénin, les paysans poussent enfin un ouf de soulagement. Il s'agit de la technique dénommée microdose. C'est une technique innovante qui consiste à apporter de façon stratégique au poké et cette fois-ci au semis ou bien quelques jours après le semis, une petite quantité d'engrais. Et cette technique a fait ses preuves dans les pays sahéliens, au Mali, au Burkina et au Niger notamment. Et donc le Bénin est en train de démarrer ça avec le projet. Et on arrive à avoir des rendements meilleurs, bien meilleurs aux techniques paysannes ordinaires. Et des techniques qui rivalisent ou qui dépassent même les techniques de recommandation par les instituts nationaux de recherche. Nous sommes à Boukoumbi, une localité de la partie septentrionale du Bénin. Ici, le sol souffre des effets de l'érosion. Romaric Lokosou est doctorant biophysique. Il est l'un des étudiants qui expérimente la technique de microdose. Ces travaux s'effectuent dans le cadre d'une thèse et le travail a déjà commencé depuis l'année passée et nous sommes dans la deuxième année de la thèse. Et l'objectif de ces travaux, c'est d'étudier les techniques de conservation des eaux et des sols, c'est-à-dire les techniques de lutte anti-érosive. Et ces techniques sont étudiées sous la culture du sorgho. Le dispositif expérimental étudié ici est un design split plot à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est les dispositifs de lutte anti-érosive. Et nous avions 3 dispositifs étudiés ici sur le site de la plaine et 3 autres étudiés sur la montagne. Mais ici sur la plaine, nous étudions les labos en perpendiculaire à la pente. Nous avions les labos perpendiculaires à la pente qui sont des labos disposés dans le sens contraire à la pente, disons, pour freiner les eaux de ruissellement. Ouais. Après, nous avons les labos en quinconce qui sont disposés dans le sens de la pente, mais avec des billons qui sont alternés. Ensuite, nous avons les labos et les billons cloisonnés du moins situés dans le sens de la pente. C'est donc là un premier acquis de lutte anti-érosive. L'autre facteur important nous situe par rapport au type de fertilisation du sol. Ici, l'expérience est faite sur des portions de terre selon la pratique traditionnelle des paysans, celle recommandée par les structures étatiques et la technique de microdose. Au niveau des fertilisations, on a 4 variantes. La première variante, c'est la pratique paysanne, donc qu'on appelle témoin. Et là, on n'apporte rien du tout comme engrais. Et le deuxième niveau et le troisième niveau sont 2 variantes de technique microdose pour rivaliser avec la dose recommandée, qui est la 4e option. Et cette 4e option reçoit la plus forte dose. Donc, en résumé, le premier niveau de technique microdose a au poké 4 grammes de NPK et au semis, couplé à 1,2 grammes durée au 45e jour. Et donc, ce qui fait un équivalent de 3 sacs de NPK et à l'hectare et un sac durée à l'hectare. Donc, la deuxième variante fait à peu près 2 sacs de NPK à l'hectare, couplé à 1 sac durée. Et la technique recommandée, elle va jusqu'à 5 sacs de NPK. Donc vous pouvez voir la différence en termes d'apport et aussi en termes de charge pour le paysan dans l'application de cette technique. La différence est également très remarquable sur les sites d'expérimentation. La méthode de culture traditionnelle des paysans
nous laisse voir une culture très moins développée comparativement à celle des deux variantes de la microdose et de la recommandée. Sur les montagnes, le phénomène est un peu plus accentué. À cet effet, les mêmes techniques de lutte anti-érosive sont appliquées avec des modèles de culture qui dénotent de la réalité du sol. Nous sommes ici à Boukoumbé. Et comme vous le savez, Boukoumbé est une zone très spécifique au Bénin. Spécifique dans la mesure où vous avez un relief très accidenté. Alors, le fait que le relief soit accidenté expose les producteurs à des contraintes majeures, au nombre desquelles vous avez la baisse de la fertilité des sols. Cette baisse de fertilité qui s'explique par une forte érosion hydrique. Lorsqu'il pleut, du fait de la nature des terres qui est pentue, ça fait que les éléments fertilisants sont drainés vers le bas, ce qui fait que, en général, dans la zone de Boukoumbé, vous avez des sols que nous qualifions de sols squelettiques. Regardez, c'est que de la pierre, partout. Alors, dans ces conditions, lorsque le producteur doit cultiver son maïs, son sorgho, il est exposé à d'énormes difficultés. Comment résoudre cette question-là? C'est pour cela que, dans le cadre de ce projet, nous avons pensé qu'il faut en même temps viser la question de la gestion de la fertilité, mais également viser la question de la gestion des eaux. D'où notre projet gestion intégrée des eaux et des sols. Alors, lorsque nous arrivons à Boukoumbé, nous avons dit qu'il faudra aider le producteur en voyant toutes les spécificités environnementales de son milieu. Nous avons conduit des recherches dans les zones de plaine, donc les parties où le sol, où les terres sont en plateau, mais également nous avons conduit des recherches dans les parties où les terres sont pentues. Voilà donc une innovation pour la gestion des éléments fertilisants et l'eau pour une production durable dans ces localités dont les sols sont naturellement défavorables. Des méthodes qui permettent de conserver les éléments nutritifs pour les plantes, comme une demande au ciel pour comprendre réellement de quoi il s'agit. La nature a été clémente en arrosant le village d'une forte pluie. Une fois la pluie terminée, il retourne dans les champs. Voici le constat. Entre les billons, l'eau de pluie s'est stagnée, conservant l'humidité et les éléments nutritifs. Qu'est-ce que nous mesurons pour pouvoir rapporter les meilleures combinaisons? Il y a fondamentalement trois choses. La première, c'est que nous avons des parcelles, de petites parcelles entourées de tôles qui empêchent l'eau de ruisseler hors de ça. Et au niveau de ces petites parcelles d'érosion, toute l'eau que les techniques n'ont pas pu retenir sont collectées dans des petits réservoirs et nous mesurons de façon fréquente les quantités après les pluies qui sont ruisselées. Et donc la meilleure technique de lutte anti-érosive sera celle-là qui recueille le moins d'eau. Et dans ces eaux, nous analysons les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin pour croître et mieux produire. Donc, et la bonne technique de lutte anti-érosive sera aussi celle-là qui a le peu de nutriments transportés par les eaux. La parcelle de ruissellement est délimitée par des feuilles de tôle de dimension 2 mètres sur 6 mètres. Et c'est à l'intérieur de cette parcelle qu'on collecte l'eau de ruissellement. Oui, les tôles sont enfoncées à au moins 15 cm de profondeur de telle à éviter l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la parcelle de ruissellement. Donc nous collectons l'eau dans ce dispositif de gouttière, à partir de ce dispositif de gouttière de collecte de l'eau de pluie. Et la collecte est effectuée après chaque événement pluvieux érosif. Alors lorsque l'eau est collectée, nous enlevons délicatement les réservoirs de collecte de l'eau et puis nous versons toute la totalité dans des bidons, comme ceci. Nous faisons le mélange, nous versons même les sédiments à l'intérieur, de telle à avoir un mélange homogène de sable et d'eau de ruissellement. Après, nous mesurons, donc nous prélevons un litre du mélange collecté. Et ce mélange homogène est utilisé pour déterminer la masse volumique. Et c'est cette masse volumique qui est utilisée comme donnée d'entrée pour calculer les pertes en sédiments du sol.
pour évaluer les pertes de nutriments par lessivage ou par percolation sur le système racinaire, nous avons installé des micro-lysimètres de façon latérale sur le système racinaire des plants. Nous faisons des analyses de N, d'azote, de potassium et de phosphore. Et pour faire la vidange, nous utilisons une pompe à vide avec des bouteilles, qui sont graduées. Nous pompons l'eau. La technique de microdose donne l'espoir d'un bon rendement de production aux cultivateurs. Les femmes ayant fait l'expérience de la microdose peuvent s'en réjouir. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, nous sommes à Waké, la deuxième localité identifiée pour l'expérience du projet Inowam Microdose. Ici, le problème est un peu spécifique. Il s'agit de la pauvreté du sol du fait de l'utilisation abusive qu'en font les paysans. Ici, à Waké, les terres sont devenues pratiquement pauvres et il fallait faire quelque chose dans ce sens-là. Pour corriger un peu la fertilité des sols, le projet est venu appuyer des producteurs. La microdose permet de mettre une petite quantité d'engrais et faire la fumée de fond le même jour. Cela permet d'avoir un peu que de ne même pas avoir du maïs. Et les paysans ont vu l'expérience et elle est concluante. L'expérience est concluante et les paysans ont montré beaucoup d'intérêt dans son application. Une pincée de trois doigts d'engrais NPK et le résultat est satisfaisant. Cette méthode de culture, les chercheurs ont trouvé une façon assez simple. Ils l'appellent la démonstration. Cela consiste à faire la culture suivant les différentes approches au bord des rues ou des sentiers, de façon à permettre aux passants de constater les résultats de l'expérience. On souffrait avant avec nos familles dans les maisons. Et effectivement, si tu n'as pas un franc là, tu ne peux pas trouver le maïs à manger. Et maintenant là, ils nous ont envoyé le projet. Et même au niveau de microdose, et on est satisfait. On a compris que ici à Bukombe, sans engrais, le maïs ça ne se développe pas. Au niveau de la microdose, on constate que les plants se développent plus vite et les plants sont plus robustes. Au niveau de la dose recommandée, dès le départ, le développement est lent. Mais lorsqu'on met l'engrais les 15 jours après semis, on constate que ça prend aussi. Et au niveau de la floraison, on ne sent plus la différence. Mais au niveau de la production, on sent que la microdose, la masse est un peu plus élevée. Puis après, au niveau de la récolte, on fait
le prélèvement, on pèse. Le problème de fertilisation du sol et de conservation des éléments nutritifs est visiblement résolu grâce au projet InnoWAM Microdose. Mais les chercheurs ne se sont pas arrêtés à ce niveau dans le souci du bien-être socio-économique des populations. Que faire pour permettre aux producteurs de rentrer en possession de leurs fonds après la récolte sans pour autant passer au bradage? Nous avons tenté de mettre en place, en collaboration avec les ONG partenaires, telles que Alpha Omega ONG, de développer la technique de warrantage. Juste après les récoltes, les prix sur le marché des produits céréaliers baissent. Et l'expérience a montré que la plupart des producteurs vendent leur production à cette période. Alors, le paysan est obligé de brader ses productions. Juste après les récoltes, les producteurs ont besoin d'argent. Pour éviter cette situation d'insécurité en fait, financière à laquelle les producteurs sont confrontés, ce que nous avons pensé, c'est de nouer un partenariat avec une institution de microfinance, sous le couvert évidemment, ou par le biais de l'ONG Alpha Omega, de façon à ce que les producteurs livrent leur production au niveau de l'institution de microfinance, d'accord, au prix, n'est-ce pas, du marché. Alors, l'institution de microfinance, sur la base du prix du marché, leur octroie un crédit, d'accord? Mais il faut dire que la production n'est pas réellement cédée sur le marché. La cession ne se fait qu'au moment, qu'à la période de soudure où les prix des céréales, d'accord, est relevé. Les prix sont intéressants pour le producteur. Alors, le producteur ayant reçu le crédit, arrive alors à garder au niveau des magasins sa production, d'accord? Et il ne vend sa production qu'à la période où les prix sont intéressants. Et à ce moment alors, il arrive à réaliser un gain assez consistant. Au-delà donc, de cette étude que nous avons réalisée au nord-ouest du Bénin, précisément dans les communes de Boukoumbé et de Waké, nous avons réalisé d'autres études parallèles, telles que l'analyse institutionnelle et organisationnelle de la mise en œuvre du warrantage dans la zone d'intervention du projet. Nous avons également, avant l'intervention du projet, réalisé une étude de référence pour voir le niveau de revenus et la situation de sécurité alimentaire donc dans ces zones d'intervention du projet. Et mon étude donc, que j'ai réalisée dans ces zones nous a permis de faire le point donc, des différentes stratégies que les producteurs utilisent donc, pour conserver les eaux pluviales et les sols pour améliorer leur rendement. Au nombre de ces stratégies, nous pouvons faire allusion à deux catégories. Donc, il y a des stratégies endogènes qui proviennent ou bien qui émanent du savoir des paysans et des stratégies exogènes qui ont été déjà diffusées par d'autres projets ou bien d'autres ONG dans le même milieu. Ici, nous pouvons citer quelques stratégies. On peut parler des panquettes, des ados qui sont utilisés par les producteurs pour conserver les eaux. Mais à côté de ces stratégies exogènes, il y a également des stratégies endogènes donc qui émanent du savoir paysan, telles que les billons cloisonnés, les cordons pierreux, les billons perpendiculaires à la pente. Nous avons également des nids d'abeilles, pour ne citer que ceux-là. Et lorsque nous avons réalisé notre étude, nous avons constaté que ces différentes stratégies, elles toutes ne contribuent pas à l'amélioration du revenu des producteurs, mais lorsqu'on combine des stratégies endogènes, par exemple les banquettes, aux billons cloisonnés, cela permet d'améliorer le niveau de revenus donc des paysans et la sécurité alimentaire. Et au-delà de ça, nous sommes allés jusqu'à voir l'influence que peut avoir la technique de microdose donc sur le revenu des producteurs et précisément des femmes. Et vous savez, les femmes sont surtout vulnérables dans nos conditions de vie. Et précisément dans la zone que nous avons réalisé l'étude. Et ces femmes aujourd'hui, grâce à la microdose, ces femmes ont vu leurs revenus améliorés. Les situations alimentaires également se sont revues donc positivement, ce qui a permis aujourd'hui que les bénéficiaires donc, de ce projet ont une situation appréciable, une situation qui ne leur permet plus de vivre dans la pauvreté donc, comme les autres qui n'ont pas pu bénéficier donc, des interventions du projet. Elle a joué un rôle important dans la formation des paysans pour cette nouvelle façon de culture. L'organisation non gouvernementale Alpha et Omega. C'est notre zone d'intervention. Donc, nous savons
facilement dans quel village les problèmes se posent avec acuité ou les résultats des recherches pouvaient être probables. Nous avons mis deux de nos agents sur le projet, un à Waki et un à Bukumbi. Ces agents, ces animateurs ont été formés par les acteurs de l'INWAM. Nous avons identifié des paysans qui devraient conduire les activités sur le terrain, des paysans qu'on pouvait appuyer dans la mise en œuvre de l'INWAM. Ces paysans ont été formés, ils sont plus d'une centaine. Cette formation s'est déroulée en deux étapes. Il y a eu la formation des formateurs à Niamey, au siège de l'ECRISAT, où nous avons passé en revue tout ce qu'il y a comme aménagement au niveau des zones où nous allons travailler, surtout les aménagements concernant la maîtrise de l'eau. Maintenant, en plus de ça, il y a le volet qui est la gestion des intrants par les producteurs. Au retour de cette formation, nous avons formé des représentants des ONG avec lesquels nous travaillons à Bukumbi et à Waki, ainsi que les techniciens. Il y a les techniciens avec qui nous travaillons et ceux du CARDER qui doivent porter cette technologie, cette innovation au niveau des paysans. Les résultats à mi-parcours du projet INWAM au Bénin rencontrent déjà les attentes. Augmenter la production des cultures vivrières à partir des fertilisations microdoses, améliorer l'accès des producteurs aux intrants agricoles. L'Université de Parakou vient à travers ce projet sauver les paysans qui ont perdu l'espoir d'une activité agricole rentable dans leur localité. Ce projet a permis à la sous-région réellement de découvrir Parakou à travers son école doctorale et de découvrir ce que nous faisons réellement. Tout ce qu'on a prévu au niveau formation, j'avoue qu'on est en train donc de réaliser. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tous les masters sont soutenus. Beaucoup de papiers sont en pipeline, en train donc d'être rédigés. Parce que généralement, quand vous finissez ce genre de choses, les indicateurs d'évaluation, c'est le nombre de papiers que vous avez dit que vous allez faire. C'est ça. Tout ça, c'est fait, c'est publié. Ça veut dire qu'en dehors donc, de l'équipe du Bénin, bien d'autres ont lu. Tout ce qu'on a dit qu'on doit faire au nouveau projet, c'est en train d'être fait. On a fini de prouver que réellement, on peut nous faire confiance. On nous fait beaucoup confiance. Et je dis, mais on vous fait confiance, on nous fait confiance, mais il ne faut jamais démériter. Les universités doivent être au service du développement. Cette innovation dans le domaine de l'agriculture corrige le déséquilibre grâce à la science et aux hommes.